Bonsoir et bienvenue pour ce patch express 14.21. Petite surprise, vous avez vu, il est relativement gros. Vous inquiétez pas, j'ai pu déjà le décortiquer au préalable. Donc moi, je vais vraiment vous faire une vidéo concise en vous donnant tout le contexte. Je vais essayer de faire au mieux. Et vous avez vu, exceptionnellement, je suis sur Opera GX. Alors ça vient pas de nulle part, c'est parce que je suis en OP avec eux. Et c'était vraiment pas le DL, je vous mets le lien en description, ça m'aiderait énormément. Il faut juste le télécharger, sincèrement. Et ça vient pas de nulle part aussi, c'est parce qu'ils sont en partenariat avec League of Legends directement. Donc dans votre GX Corner, ici, vous allez dans la section LOL XGX. Tiens d'ailleurs, ils ont rajouté deux skins, ils y étaient pas avant. Et vous téléchargez un des 5 modes là qui sont disponibles. Moi j'ai pris le LOL eSport, le classique, parce que c'est la hype des Worlds. Et dès que vous en avez un, voilà, vous avez ce truc là. Vous avez le LOL Corner, c'est une fonctionnalité directement intégrée. Et vous avez le planning des prochains matchs, ainsi que les co-streamers qui sont juste en dessous. Là, par exemple, il y a Antonella qui est en train de stream. Au niveau du patch, vous avez vu pas mal d'AP qui sont nerfs. Enfin, AP. Tout le reste, c'est un peu spécial, je vous en parlerai. Et en termes de buff, il n'y en a pas, à part Azir, quoi. Qu'on se modifie sur les bots, pareil, on en parlera à ce moment-là. Mais vous avez vu, Riot, c'est bon, touche enfin un peu aux mages qui sont très puissants au niveau de ce patch. Le Onit, c'est fort aussi. Il y a des légères modifications, mais vous verrez, c'est un peu spécifique. Le gros, le très gros. Il y en a deux. Il y a deux gros points. C'est ça. Swain Adjustment. Ce sera à la toute fin des champions de mémoire. Parce que bah, c'est en S. Hein, c'est lettre S. C'est vraiment vers la fin. Et la prime de champion. On commence avec ça. Les primes sont complètement changées. Pour vous la faire courte, les primes vont donner moins de PO. Voilà. Donc ça va être plus facile de prendre des risques pour snowball les games. Parce que c'est vrai que quand on a un très gros shutdown, il faut faire très attention. C'est une modification que j'aime bien. Il y a surtout un côté plus intuitif, vous verrez. Moi, je vous incite vraiment à regarder. Voilà. Je descends, mettez pause. Il y a tout un tas de modifs. Bam, 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 bam. Voilà. Et comme d'hab, moi, je vous fais ça très rapidement. Vous gagnez moins de PO sur les primes objectifs en général. Prime en général. Hein. Il y a prime champion et prime objectif. Donc tout. Et c'est plus intuitif. Donc vous allez voir, notamment les primes, désormais, ça ne fonctionne plus par palier comme avant, genre de 100, 100, 100, 50 ou quoi. En fait, vous pouvez avoir des primes de 1. Voilà, ça augmente un par un, un par un, un par un. Par contre, visuellement, au niveau du scoreboard, quand vous appuyez sur tab, ça va s'actualiser que par 50. Voilà, toutes les 50 mêmes. Au niveau des champions, comme je vous ai dit, pas mal de nerfs sur les AP, au rayon sol, trop fort en late game notamment, on va aller baisser ses PV de base, donc bah, ça détruit un peu son early. On peut rien y faire, au rayon, ça restera fort, très très fort en late game, donc on baisse quand même les dégâts de trou noir en late game, parce que c'est vraiment un truc qui donne beaucoup trop de clear. Et par contre, on va aller baisser les PV de base, et ça c'est vraiment pour... nerf l'early d'Aurélion Sol afin qu'on puisse un peu plus l'abuse. Azir, c'est le seul AP qui va être buff sur ce patch et c'est vrai qu'il est trop faible. C'est un personnage très tricky qui doit être vraiment maîtrisé et donc ça va se voir au niveau des modifs qui sont spéciales. Régénération des PV, ça ok, c'est simple à prendre en compte, mais on va également augmenter les dégâts d'attaque. Voilà, c'est vraiment des changements très tricky. Là, faut vraiment être un gros joueur de Azir, un peu haut elo pour voir ce que ça donne, avoir réellement un avis dessus. Brand, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Hein. Dites-vous que dans l'ensemble, c'est un patch qui reste simple, juste très gros. Brand, c'est fort à tous les postes. Voilà, tous les postes. Riot parle surtout de nerf en tant que support, parce que vous allez voir, il y a pas mal de modifications sur le mana, mais ça va impacter beaucoup moins Brand jungle, mais notamment Brand ADC, que moi je face par moment, je sais pas vous. Mais voilà, ça va impacter ce genre de Brand-là également. Donc la régénération du mana, c'est baissé. On passe à 9, voilà, ça passe à 9 désormais. C'est le Q qui prend très cher en termes de mana. On passe de 50 à 70. Et la détonation, donc ça, ça va être les dégâts, c'est nerf. Tout au long de la partie, c'est moins 1% tout le temps. Voilà, donc il va perdre un petit peu de dégâts sur sa... Enfin, un petit peu, c'est quand même pas mal. Sur sa compétence passive, donc ça, c'est pour tous les brands, même brand jungle. Camille, elle prend cher. Elle est nerf, déjà au terme de PV de base, moins 20, c'est comme Aurélion, en fait. C'est la même chose, donc c'est beaucoup. Sauf que elle en plus, elle est vraiment nerf en termes de dégâts sur quasiment tous ses sorts. Donc le Z, moins de dégâts. Le E, moins de dégâts. Et même l'ulti, moins de dégâts. Enfin, spécifiquement sur l'ulti, il n'y a plus les dégâts fixes, les dégâts flat. Il y a désormais plus que le pourcentage. Donc, vraiment, sur des gros tanks, ça impactera pas énormément au niveau de l'ulti. Il faut prendre tout en compte et ça fait plutôt mal à Camille. Alors là, Corki, vous n'êtes pas prêt. Là, je vous le dis. Bah, c'est là quand je vous dis qu'au niveau des patchs express, je vous donne le contexte. Corki, ils ont testé tout un tas de changements. Ils étaient vraiment pas satisfaits lorsque ça se jouait létalité max E. Parce qu'en fait, il y avait juste trop de shred et c'était débile. Hein. C'était complètement débile. Pas mal de modifications, on veut que Corki joue un petit peu plus au niveau du Q, c'est pas forcément marché, pas très populaire, pas très fort. Et je sais pas si vous en rappelez, mais ils ont fait des modifs sur Valkyrie, le Z de Corki, ça fait pas mal de dégâts actuellement. Ça peut vous faire un peu penser à l'ancien Corki d'ailleurs. Et là, ils viennent de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils sont en mode bon, le perso reste encore faible, on a fait des modifs qui sont sympas pour nous. Allez, c'est parti maintenant, on veut que ce soit joué. Donc attendez-vous vraiment hein, à potentiellement revoir des Corki, je vous le dis, parce que le buff est énorme, notamment à ce niveau-là. Plus 5% de dégâts bruts bonus sur la compétence passive, c'est énorme. C'est vraiment le gros buff
Vous allez revoir des corps qui, juste grâce à ça, on augmente également le Z. On est parlé, hein, ils veulent que le Z fasse des dégâts, donc c'est un très gros buff sur les dégâts maximum. Ainsi que l'ulti. Alors vous voyez plus 10 de dégâts flat à tous les niveaux, mais également plus 10% de vos dégâts d'attaque bonus ratio. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Elise, depuis les mini reworks, la quality of life, les petits changements et tout, le buff qu'elle a subi, qu'elle a reçu, parce que c'est très positif pour elle, bah elle est très puissante. Donc elle va prendre un nerf. Suite à cela, sa stat de croissance en armure va être réduite. On passe de 5,2 à 4,5. Donc oui, c'est un gros nerf, ça reste Elise, donc c'est un perso très early game qui va snowball. C'est pas non plus impactant, ça restera très fort. Fiddlesticks, qui prend un bon nerf, tout ce qui est réduction de dégâts en fonction des PV de la cible. Dès que vous commencez à enlever ne serait-ce qu'un pour cent, c'est toujours énorme. Et donc là, c'est le cas pour le Q Terreur de Fiddlesticks. Bon nerf. Galio qui va être nerf également sur son mana pool. Donc le mana de base, on passe de 500 à 410. C'est beaucoup. Et donc c'est pour faire en sorte que Galio soit vraiment plus vulnérable au premier niveau de jeu, puisque c'est sur le papier là où il est le plus faible. C'est un perso qui veut vraiment jouer avec son équipe, qui n'est pas là pour vraiment gagner sa lane et qui va surtout utiliser ses compétences pour annuler un peu la lane. Enfin, ça peut fight et tout, hein, mais ça a besoin vraiment de coéquipiers pour jouer et ça veut surtout se débarrasser des waves. Donc le fait de lui enlever beaucoup de mana, ça l'impacte vraiment. Buff de Gangplank, j'ai l'impression que perso, à chaque fois on le change, à chaque fois il redevient nul, je sais jamais pourquoi. J'aurais fait tout le temps et du coup on le rebuff un petit coup. Voilà, on en est au stade de Gangplank qui prend un petit buff régénération du mana. On augmente de 0,5 et le baril de poudre, ça fait plaisir, la compétence limite principale de iconique de Gangplank. Qui va gagner une seconde de délai de récupération à tous les rangs. Tout comme d'autres persos qu'on a pu citer précédemment, Gwen va avoir un nerf au niveau des PV max de la cible. C'est vrai qu'on avait... Enfin, moi, je voyais beaucoup une méta tank, et au final, j'en vois peu, vraiment trop peu par rapport à ce que je pensais. Et le fait de voir tout ce genre de nerf basé sur les PV max de la cible, est-ce que Riot voudrait peut-être que ça revienne vraiment, ou alors ils sont satisfaits de la méta actuellement? Je pourrais même pas vous dire ça vraiment, je ne sais pas. En tout cas, sur Gwen, ça va être le cas au niveau de sa compétence passive. On passe de 0,72% tous les 100% de puissance en dégâts de PV max de la cible à 0,6. Donc une réduction de 0,12. Alors cette phrase, je suis obligé de vous la lire parce qu'elle me termine. Et elle est tellement réelle. Les joueurs sont devenus bien meilleurs avec Wai au cours de l'année. Nous allons donc enfin pouvoir le nerfer un peu. Et Wai, c'est un perso qui est vraiment complexe. Moi, j'ai pu en parler avec, avec certains collègues de haut niveau. Et eux, ils trouvent ça facile. Et voilà, donc vous avez des avis différents. Il y a des gens qui trouvent vraiment Wai simple et tout. Je vous promets, je trouve ça super dur. Du coup, je suis content que Riot dise ça. Et par contre, si on omet la difficulté du personnage, donc on va dire qu'on le met dans les meilleures mains possibles. On le met entre les mains du meilleur joueur de Wai du monde. Le perso est broken, mais vraiment broken. C'est délirant. Il est ultra fort. Donc, nerf mérité. C'est ce genre de personnages qui sont juste très très durs à mettre en place, mais en vrai, ils sont beaucoup plus forts que ce que c'est en a l'air. Donc on va nerf le QQ. Le QQ, c'est la boule très rapide là, qui se lance, qui fait des dégâts en fonction des PV max de la cible. Encore une fois, on en revient à ce nerf des PV max. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous interpelle sur cette modification, puisque on review sur cette chaîne tous les patchs. On voit un peu où Riot se dirige, notamment avec une augmentation de la puissance des tanks sur ce nouveau split. On n'en voit pas trop, et c'est pour ça que là, je suis en train de me demander. Et on voit des matchs, tous les matchs sont très forts. Vous allez voir, pour les bots, ça les nerf énormément. C'est une des raisons pourquoi ils sont aussi forts d'ailleurs. J'en parlerai. Et là, on nerf un peu tout ce qui est compétence à chaque fois des PV max. Et j'ai très hâte de voir un peu le 14.22, le 14.23, comment la méta s'affine. Mais j'entrevois... Mais là, je suis pas sûr. Quand je suis pas sûr, je vous le dis. J'entrevois vraiment... Pas un début de méta tank, mais on veut que les tanks reviennent vraiment en force, qu'on en voit, quoi. Beaucoup plus. Parce que là, les solo queues, comme je vous ai dit, j'en vois pas. Ou peu. Très très peu. Et nerf du E, hein. Je le précise. Nerf du E, moins une seconde à tous les rangs. Irelia, quand j'ai lu le truc au début, j'étais un peu choc-bar. Vraiment, c'est le terme approprié, j'étais choc-bar. Parce que délai de récupération du Q, moins une seconde, ok. Mana, ça passe à 15, mais surtout les joueurs d'Irelia qui vont se rendre compte de la dinguerie que c'est. On augmente les dégâts bonus contre les sbires, mais c'était vraiment aberrant. C'est un très bon buff. Voilà, c'est vraiment un buff, je vous le dis. Par contre, le R ne réduit plus le 1. Voilà, pour un peu contrebalancer tout ça. Après, vu que le Q est réduit de 1 seconde, c'est un buff. Ça, overall, juste en termes de délai de récupération, c'est un buff jusqu'au level 16. Donc du level 1 à 15, c'est un buff, genre. Voilà. Et on passe à Kai'Sa. Vous aimez Kai'Sa cette chaîne, vous voulez avoir mon avis. C'est un très bon nerf. Et c'est fou. Vous êtes en mode, oh putain, le perso, un des persos préférés de Tid, se fait nerf, il va rager. Comme... Non, pas du tout. J'aime
les bonnes modifications, j'aime les modifications pertinentes, les modifications saines pour le jeu, là ça en fait partie. Kaisa est très très fort depuis un moment, il y a eu tout un tas de méta sur Kaisa, des moments où elle était plus forte en Anid, des moments où elle était plus forte en AD. Relativement dans l'histoire de Kaisa, ça a toujours été AP le plus dominant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a plusieurs versions de Kaisa qui fonctionnent, et que AP en fait partie, on va toujours préférer AP. Pourquoi ? Parce que lorsque Kaisa AP est sortable, est forte, est jouable, littéralement, c'est la version la plus polyvalente de Kaisa qui fait tout, vraiment tout. Donc bon, vous connaissez le classique poke, toutes ses compétences vont scale en fonction de ça, donc notamment le fait que sa compétence passive tue très bien les tanks, vous avez le poke, vous avez l'ulti qui scale, donc vous vous rendez compte que le fait de go AP, ça va pas la rendre comme un mage, mais juste, ça va lui offrir des trucs en plus. Elle fait des dégâts AP, beaucoup, donc ça peut même être bien dans certaines compos, elle poke, mais elle tape comme une Kaisa classique. Voilà, c'est un des gros problèmes de Kaisa. Vous pensez que Kaisa AP, le gros problème, c'est que ça poke à fond, c'est vrai que c'est en air, mais c'est vraiment ce côté que je ne sacrifie limite rien en choisissant ce genre de playstyle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la compétence passive qui se fait nerf. C'est pour toucher Kaisa AP. Voilà, il faut vraiment le comprendre comme ça. En termes de stats, vous allez voir qu'ils vont pas mal réduire les dégâts de base de toute la compétence passive, donc il y a les dégâts initiaux par effet maximum, notamment sur le scaling, c'est dégâts par effet maximum qui vont prendre très très cher. Et on va nerf le ratio AP beaucoup des dégâts initiaux, donc ça passe de 15 à 12. Dégâts maximum, c'est moins 1%, donc de 25 à 24, et on contrebalance légèrement en termes de dégâts par effet. On va passer de 2,5 à 3% de votre puissance. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un nerf, et que ça touche beaucoup Kaisa AP et un peu moins les autres builds de Kaisa. Enfin, notamment les builds qui ont un peu moins d'attaque speed et beaucoup d'AD, qui vont moins jouer sur la compétence passive, donc bah, bien entendu, Kaisa critique. Karthus, bam, ça c'est les news qui redonnent le smile. Dès qu'il y a des nerfs Karthus, je suis trop heureux, le perso est trop fort tout le temps. Contrefort, le R qui prend moins 5% de puissance. Karthus, c'est basé sur le R, enfin, pas que, vous avez compris. Ça fait plaisir. Kassadin, c'est, je savais pas que c'était fort, je me suis un peu renseigné, c'est dû au, au nouveau split, qui comme je vous l'avais expliqué est une sorte de patch de durabilité. Les fights durent un peu plus longtemps, donc Kassadin est content, et les games aussi du coup. Kassadin est content de ça. Donc on va les nerf son Q, les dégâts de son Q, et les dégâts de son E, à chaque fois en termes de ratio AP. Buff de Kael gratuit, c'est vrai qu'on en voit pas, après on en voit jamais, c'est toujours un peu un perso d'OTP, mais que j'aime beaucoup, je la joue premier degré, hein. J'aime beaucoup le perso. Et donc c'est un buff du Z, le Z c'est le sort qui vous heal, c'est le coup en mana, il est super super buff, moins 20 de mana au level 1, et ensuite ça va gagner 40 au dernier rang, mais alors bon c'est pas un sort qu'on max pour le coup, à part si vous jouez genre des Kael support et tout, je crois que ça a déjà existé à une époque sombre, et bon voilà, auquel cas c'est vraiment sur level 1, ça fait plaisir. Buff Malphite, ça passe à 665 HP, peut-être qu'on commence là sur le buff des tanks dont j'avais parlé, après bon. Juste en dessous, on a un nerf de Nasus. Mais là, c'est un peu spécial, donc je vais vous expliquer. Faut vous dire que c'est comme Kassadin, c'est le nouveau patch, donc c'est le 14.19. C'est vraiment le nouveau split, avec tous les changements sur les items et tout, qui fait que c'est plus facile de tempo l'early. Et donc, il y a certains persos, comme Kassadin et comme Nasus, qui sont très forts, puisque c'est des persos qui sont un peu dépendants de ça, et qui en fait vont avoir un scaling, hein, qui vont vraiment avoir un scaling très très fort. Et en plus, les fights sont un peu plus longs, c'est des persos qui sont friands de ce genre de choses, surtout Nasus. Donc la compétence passive, ça va être nerf, mais vraiment de zinzin en termes de healing. On passe de 12 à 9% au level 1. En fait, c'est moins 3 à tous les rangs. Ça augmente en fonction de votre level. Également, la buveuse d'âme qui va perdre 5 de dégâts à tous les rangs. Donc, pour l'early, ça fait mal. Et là, Nila, c'est technique. Je vous en ai parlé au patch précédent, parce qu'ils avaient fait une petite modification Quality of Life. D'ailleurs, il y a pas mal de gros joueurs de Nila, je crois, qui sont légèrement pleins et tout. Sauf que, enfin, on en avait parlé. C'est un peu technique. Je vous invite à regarder le patch express précédent. Et c'était prévu qu'ils allaient faire ça au niveau du EQ. Il y a eu d'autres choses, là, on va en parler, mais au niveau du EQ, c'est bon, c'est enfin passé. Ça, c'est un énorme buff. Ça a vraiment été dit par Riot que c'est un gros buff de Nila, ça pour le coup. Le projectile du combo EQ, parce que vous pouvez le faire, hein, si vous utilisez votre Q pendant votre dash avec Nila, ça va faire une sorte de traînée. Et ça, c'était comme un projectile. C'était vraiment littéralement un projectile même, je crois. Donc ça avait un temps pour venir, pour taper les gens et tout, et donc des fois, ça touchait pas. Maintenant, c'est instantané. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus constant, consistant. Et il y a d'autres trucs, les attaques de base de Nila ne sont plus annulées quand le buff de son Q s'achève, pour ceux qui ne connaissent pas, Nila, vous lancez un fouet avec votre Q et ça va augmenter votre range d'auto-attaque. Ça dure un certain temps et si vous n'avez plus le CD, c'est mort. Bah là, si au moment où vous commencez à lancer votre auto-attaque, le CD s'enlève, c'est pas grave. Le buff s'enlève, c'est pas grave, l'auto va quand même partir. Donc ça, c'est encore un très bon buff. Et également, alors ça je ne connaissais pas, ça pour le coup, des trucs que je ne connais pas. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, j'ai pas la science infuse. La première attaque de base après lancement de son ultime ne devrait plus être retardée. Je savais pas que c'était le cas sur Nila, donc écoutez, là je peux pas m'exprimer sur le sujet, mais sur le papier de ce que je vois c'est un buff. Nila qui subit un double buff, parce que sur le papier,
Enfin, moi, quand j'avais lu le truc, là, j'étais en mode, bon, bah, c'est un buff pour l'early de Kana, ce qui est logique et tout. Régénération des PV, ça passe de 6 à 8. Il y a également le Z qui est buff, et là, on augmente, enfin, on double, littéralement, le ratio de vos dégâts, d'attaque bonus sur le spell. Et ça, c'est un buff énorme tout court, que ce, bah, même en fait, même encore plus en late game, puisque c'est un ratio, bien entendu. Donc, gros buff de Kiana. Senna, c'est fort ATM, c'est bien. Senna, c'est pas grave que ça fasse des dégâts et tout. Le but, c'est de pouvoir la punir, en fait, de pouvoir répondre. Et donc là, on nerf de 3 son armure, c'est énorme. Et ça s'adde de 3 son armure, de 4,7 à 4. Pareil, c'est énorme. Donc le perso est beaucoup plus squishy et vous pouvez beaucoup plus la punir. Sivir, il y en a plein qui sont super contents en regardant ce buff. Plus de dégâts d'attaque sur le personnage et également beaucoup plus de dégâts de base sur le Q. Mais à l'inverse, ça ne va plus scale en fonction de vos dégâts d'attaque totaux, mais en fonction de vos dégâts d'attaque bonus. Alors attention, disclaimer, la dernière fois que Riot a fait ça, c'était sur Varus, et en létalité c'était broken. Et j'avais déjà un peu vu la preview, je crois que ça a légèrement changé depuis, qui est donné par Twitter, enfin par les Rioters sur Twitter là. Et on reste dans la continuité, donc un buff vraiment basé sur ça là. Et moi, de ce que je vois, c'est potentiellement un retour de Sivir létalité. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe à Swain le rework. Ce qui est cool dans ce genre de vidéo, c'est que je vous fais ça rapidement. Mana, il y a moins de mana, mais à l'inverse, on augmente légèrement sa régénération de mana. Pour la régénération des PV, c'est Oméga réduit. Le but, c'est de faire en sorte que Swain se soit un peu plus fort en solo lane. Bon, ça restera jouable en ADC, en support de ce que je vois. Et donc, au niveau des modifs, vraiment, moi, je vous condense tout. La compétence passive, c'est un scaling linéaire désormais, donc c'est un buff. Voilà, ça, c'est un mini-buff. Prenez-le pas en compte, petit buff. Ensuite, le Q, plein de choses qui sont changées. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte un petit peu moins de mana et ça va faire un peu plus de dégâts. Le Z, ça ralentit moins, mais beaucoup plus. La durée de la révélation, en vrai, c'est pas le plus important. C'est surtout que ça fait moins de dégâts de base, très légèrement, mais c'est augmenté de 5% en termes de ratio AP. Vous allez voir, en vrai, c'est quand même un bon rework. Le perso est fort, moi, de ce que je vois. Le plus gros, donc là, c'est des trucs qui changent et tout, mais on va dire que c'est pas le plus important. Par ça, là, le mana et les régénérations des PV et tout. Le gros, c'est ça, c'est deux trucs. Je dirais que le principal, ça va être le E. C'est beaucoup plus long à récupérer. Donc là, vous voyez, là, on passe un peu à... c'est un peu tricky comme modif. On commence à sentir un peu des nerfs. Parce que là, c'est un peu plus technique. Ça coûte beaucoup plus de mana aussi. Mais c'est ultra rapide. Jouez-le. Testez-le, là, en champ d'entraînement. Après, bah, demain. Le lendemain, si vous regardez cette vidéo maintenant, le soir ou le patch sort, vous pourrez pas le tester. Mais testez demain ou bah, la prochaine fois que vous verrez un Swain en face de vous, vous verrez à quel point c'est ultra rapide. Alors, ça ne fait plus de dégâts à l'aller. Pour ceux qui jouent Swain, donc en termes de comment vous allez clear les waves. Par contre, l'explosion fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. C'est énormément augmenté en termes de dégâts de base. Et encore plus en termes de ratio, on passe de 25 à 60%. Et au niveau de l'ulti, il n'y a plus de réduction du délai de récupération du E. Mais, et je crois que ça sustain un peu moins de... Attendez, ça, faut que je relise. Ouais, même beaucoup moins. Enfin, quoique, en fait, c'est en fonction de vos PV bonus. Là, je vous avoue, j'ai pas fait le calcul sur ça. D'habitude, je l'ai fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un buff ou pas des soins. Quand j'avais lu ça, j'étais en mode, c'est quand même un léger nerf. Pareil pour les dégâts, mais il y a un autre truc. C'est que vous pouvez activer l'ulti à l'infini. Donc, si les fights durent très longtemps, c'est Oméga value au niveau du R. Mais genre de fou, hein. Vraiment de fou. Puisque, alors, c'est toutes les 8 secondes. Ce n'est pas réduit par la haste, je précise. Voilà, donc n'êtes pas en mode, ok, ben, je prends des builds à base de réduction de compétences et je vais réactiver mon R en permanence sur les fights. Non, build classique, vous en foutez. Juste, faut savoir que maintenant, vous pouvez réactiver le R plusieurs fois en fight. Toutes les 8 secondes, donc en gros, dès que vous pouvez, bam, allez-y. Et vous continuez d'être en R, donc bah, plus les fights durent longtemps, plus vous êtes très content avec Swain. Donc là, il a vraiment une identité bien affinée, je trouve. Et tout ce que je vois du rework, ça a l'air d'être une réussite et ça a l'air d'être même très puissant. Donc, faut tester maintenant in-game et voir si ça vaut le coup ou pas. Talon, augmentation des dégâts, du retour du Z, ça augmente bien entendu sa capacité trade, mais aussi, et même je dirais surtout, sa capacité de clear des waves. Très content pour les talons mid, voilà, ils sont très contents, ça va bien les aider. Alors ça c'est fou, Taric, nerf, c'est vraiment un perso spécial, pas trop joué, uniquement par certains persos, par certains champions, pardon, un peu OTP. Et on va nerf son Z, pourcentage de l'armure de Taric octroyé en tant qu'armure bonus, ça prend quand même pas mal puisque vous allez perdre 3% à tous les rangs. Teemo, c'est un buff, malheureusement, au niveau de sa survivabilité, donc les PV de base sont augmentés, il va gagner 17, et la vitesse de déplacement bonus du Z, donc que ce soit passif ou actif, va être augmentée. Nerf de Viego, ok, donc on va nerf sa stat de croissance en armure, comme dit Pariot, c'est, bah, ça impacte sa late game, puisque c'est de la croissance, et donc bah, c'est plus pertinent à bas niveau.
plus vous êtes bas niveau, il faut savoir, c'est une vraie statistique, plus les parties sont longues sur League of Legends. Donc ce genre de modification va surtout impacter ce genre de elo. Bon, Volibear, il n'y a même pas à en parler, c'est trop puissant. C'est broken, un petit moment là. Délai de récupération du E, ça passe de 12 à 14 secondes, plus 2. Voilà. Et boum, buff de Xayah. Écoutez, dégâts du coup bonus, on passe de 20 à 25% sur le Z, le plumage mortel. Alors c'est quand même un bon buff, mais est-ce que ça va vraiment faire revenir Xayah? Je pense pas. Mais pour les joueurs de Xayah, par contre, vous êtes très contents. Ouais, je vous promets que les 5%, c'est pas si dégueu. Enfin, en fait, je pense que le perso est tellement faible, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. C'est un bon buff, mais le perso est tellement faible que je sais pas. Bon, bref, ça fait plaisir. Bon, Yon, ou Yone, je sais pas comment vous dites, je vous avais promis que ça allait être nerf. C'est quasiment une promesse hein, au cours des patchs précédents, parce que je sais que ça faisait très peur de voir des buffs sur Yone, mais comme vous avez vu, c'était uniquement des modifications sur les ratios critiques du personnage, alors qu'on était tous au courant que le perso était beaucoup trop fort. Donc là, ça y est, il est enfin nerf. Au niveau, une fois de plus, des ratios en fonction des PV max. Alors oui, moi j'en vois pas, et de toute façon, Riot l'explique, puisque c'est surtout joué dans les parties MMR faibles. Et ce serait une bonne chose s'il ne s'appuyait pas autant sur le fait que ses adversaires ne réalisent pas qu'ils peuvent tuer ses ghouls en un coup avec n'importe quelle attaque de base. Donc si vous êtes justement dans ce genre de partie MMR faible et que vous êtes un top laner ou que vous rencontrez des Yorick, notez bien ce conseil. Il vous est dédié, il peut pas mal vous aider. Le perso va tout de même être nerf. Donc voilà, comme on l'a cité, sur les ghouls, ils vont faire moins de dégâts. On est enfin à la toute fin avec des modifs. Bon, certes, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très importantes. Les chaussures de sorcier sont oméga nerf, on passe de 15 à 12 de pénétration magique. Enfin, c'est parmi les seuls bots de LoL qui n'ont pas été changés, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai reparlé de façon même un peu plus poussée sur la dernière vidéo de la chaîne YouTube qui est sortie, la vidéo sur Kog'Maw, où j'expliquais justement pourquoi Kog'Maw AP est aussi fort, et pourquoi les AP sont forts, ça en faisait partie. Nous n'avions pas touché aux chaussures de sorcier dans le patch 14.19, elles sont maintenant un peu trop puissantes, donc voilà, pour aligner avec toutes les autres bots qui ont été nerf, elle prend son nerf, qui est gros comme toutes les autres bots, donc c'est normal, et les AP étaient trop forts. Et là, c'est le moment où je suis un peu deg, parce que l'âme du roi déchu, de ce que j'avais vu, c'était que pour les mêlées, le nerf. Et là, ça se voit, parce que c'est un nerf de 2% pour les mêlées, passe de 10 à 8. Au final, ils ont quand même nerf les ranges, passe de 6 à 5. Et ça fait mal au moment Varus. Mais comme je vous ai dit, c'est un truc qui va dans la continuité de tous les nerfs sur les ratios en fonction des PV max, puisque je crois qu'il y a une phrase qui en parle, mais c'est très bien que ce soit un objet anti-tank, mais il est bien trop efficace, nanana. Ah voilà, domine actuellement la scène, voilà, et mettant les tanks en difficulté trop vite, c'est ce que je cherchais. Ça confirme, une fois de plus, c'est une petite phrase comme ça, qui montre que les tanks ont du mal. On veut nerf un peu ce qui empêche les tanks de se poser tranquillement dans la méta, d'être populaire, d'être puissant. Donc la lame du roi déchu, c'était très fort, c'est normal que ce soit fort. Alors là, il y a tout un contexte, je vous invite vraiment à regarder le patch express 14.19. Bon, je sais que vous allez avoir la flemme, donc je vous la refais en deux spi. Les fights sont un peu plus longs, donc les tanks ils sont contents. Les items tanks ils ont été très peu nerfs par rapport à tous les items du jeu, pour que les tanks soient justement forts. Au final, il n'y en a pas trop. Les ADC critiques ont été oméga nerfs, pas les ADC on hit. C'est pour ça que la lame du roi déchu est super forte, parce que bah, c'est un objet on hit. C'est voulu par Riot, parce qu'on veut que ce soit les ADC on hit qui soient très forts actuellement. Donc on nerf pas trop la lame du roi déchu, vu que c'est leur core item. Voilà. Sauf que bah au final, le truc est trop fort, c'est fait un peu par d'autres personnes aussi, et c'est relou pour les tanks parce qu'on voulait voir des tanks qu'on n'en voit pas. À peu près. Vous avez à peu près le contexte. Tempo mortel qui prend un buff. Nous trouvons que Tempo mortel est un peu trop faible. J'aurais cut la phrase ici. Mais comme je vous ai dit, Riot a des outils qui ressortent des stats qu'on n'a pas. Et là, c'est quelque chose que je vois. Des fois, je peux ne pas être d'accord et tout, mais bah moi, je suis qu'un joueur, hein, je suis pas... Il y a des mecs qui sont bien plus forts que moi, mathématiquement, parlant dans l'équipe de Riot. Pour Tempo mortel sur les ADC, c'est fine. Je sais pas, je continue à dire que PTA a l'air d'être bien plus fort dans beaucoup de situations, donc je continue de vous conseiller PTA. Tempo mortel, du coup, et selon Riot, encore fine. Et il faut les trop sur ça, de toute façon, bah, c'est pas nous qui décidons de l'équilibrage du jeu. Par contre, effectivement, c'est trop faible sur les mêlées. Et donc, on va le nerf, on passe de 5% à 6%. Pas de modification, du coup, en vue pour les ranges. Ça peut se faire, hein. Pour ceux qui le font et tout, c'est viable, vous inquiétez pas, c'est vraiment viable, c'est vraiment pas mal et tout. Et c'est vrai que sur pas mal de personnages, je trouve que PTA, c'est quand même bien mieux. Et on finit, comme d'hab, ce patch express avec les skins et chromas à venir. Alors là, les skins de ce patch sont magnifiques. On dirait pas comme ça, mais je suis friand des skins, j'aime trop. Genre, c'est trop cool, les skins. Le seul problème, c'est que ça coûte de l'argent, en fait, c'est vraiment le seul problème. Donc quand il y a des skins à 200€ qui sortent, j'avoue, je boude. Ça, Cosmic Crisis, je sais pas comment on l'a, j'espère que c'est pas trop relou. Sinon, la skin line est magnifique. Genre, vraiment, la skin line est magnifique. Zoé est insane. Kai'Sa est trop bien. Genre, j'ai trop hâte de le tester. Skin Sylas, skin Yorick. Du coup, bah, skin Diana avec la version Prestige qui a un artwork magnifique. On finit sur ça. C'était un gros patch. J'ai vraiment essayé de faire le plus rapidement possible. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous permets de vraiment visionner les patchs de la meilleure des manières. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain patch express. Et passez une très bonne soirée.